Coucou, on se retrouve pour, je pense, la dernière vidéo ouverture du courrier pour le concours. Nous sommes aujourd'hui jeudi 15 juillet. C'est d'ailleurs l'anniversaire de ma maman, faut que je l'appelle. Ça, c'est le courrier que j'ai reçu. C'était lundi. C'était lundi, il me semble. Donc, il s'agit des courriers de Ariel, Martine et Lise. Donc, qui auront les numéros 19, 20 et 21. Si jamais il y a des personnes qui m'ont contacté pour participer et qui ont envoyé le courrier un peu plus tard ou que je ne l'ai pas encore reçu, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou de mettre un petit commentaire sous la vidéo que je sois au courant si j'ai du courrier qui est censé encore arriver avant de faire le tirage au sort. Parce que sur toutes les personnes qui m'ont contacté, j'en ai quelques-unes dont je n'ai pas reçu le courrier. Donc je ne sais pas si elles n'ont pas eu le temps ou voilà, ce que je comprends tout à fait. Si jamais ces personnes-là ont envoyé le courrier ou quoi, n'hésitez pas à me contacter, que je repousse de quelques jours le tirage au sort. Je pense qu'il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc on va ouvrir les trois courriers que j'ai reçus donc en début de semaine. On va commencer donc par le courrier d'Ariel qui aura le numéro 19. Découvrons ça. Ah, je vois que j'ai le petit mot. Hop, ça, je le garde. Et voici ses belles créations. Alors, je lis son mot. Merci beaucoup, Ariel. C'est très gentil. On va découvrir ensemble tes créations. On va commencer par cette jolie carte. Joyeux anniversaire pour les 2 ans de mon fiston. C'est trop chou. Il est trop rigolo, comment tu l'as colorisé. C'est très joli. Ah, c'est sympa comment c'est. La découpe, comment elle est faite. On dirait des petits cubes pour enfants. C'est très joli. Joyeux anniversaire. Je lis du coup le petit mot. Ah, tu es mamie de 4 petits. Ok. Wow. Ah oui, d'accord. Donc ça va de 8 ans à 9 mois, la petite dernière. Mais c'est super, 4 petits-enfants. J'espère que tu profites bien d'eux. Là, ils se... Enfin, les... Ouais. Les deux plus grands, ouais, ils sont à l'école, donc je pense que là, ils sont en vacances. J'espère que tu pourras profiter d'eux pendant les vacances scolaires. Ta carte est très très jolie. Ça me fait super plaisir que tu aies pensé à mon loulou. C'est trop mignon. Merci beaucoup. Et on va découvrir maintenant ta belle Memory Dex. Donc dans un esprit vintage, avec une belle jeune femme avec une petite fille trop choupette. On pourrait dire une maman avec sa fille qui font un gros câlin. C'est trop mignon. T'es venue coloriser, mettre un peu de couleur. Ça fait très pop culture un peu, je trouve, j'aime bien. Ici, je pense que c'est toi qui as fait des dots. Ils sont super beaux. Donc maté sur un papier craft avec... Ah ouais, tu as fait un collage de différents papiers. C'est excellent. Pour faire le fond. Ces différents papiers, c'est super chouette. Elle est trop jolie ta Memory Dex. J'aime beaucoup. Et donc derrière, tu me notes... Donc tu aimes le rose, le bleu, le violet, le vintage, le shabby, le steampunk... Les Gorgeous, Lavinia, et le Art Journal, le coloriage. Ok, donc t'aimes beaucoup. Ok, je vois Vintage, Shabby. Là, ça te représente pas mal, je pense. Ah, tu touches un petit peu à tout en fait. Le Art Journal, le coloriage, c'est super. C'est trop joli. Voilà, là, c'est pas flou, c'est bon. J'aime beaucoup le fond aussi, comme ça. Très sympa. Et merci encore aussi pour mon loulou, ça me fait trop plaisir. Il a encore une très belle carte pour son anniversaire. Je crois que les 2 ans de mon loulou, on va pas les oublier là. Vous nous avez gâtés. Alors je te remercie beaucoup Ariel pour tes jolies créations. C'est vraiment trop mignon. Je te rappelle, tu as le numéro 19 pour le tirage au sort. Je te souhaite bonne chance. On va passer maintenant au courrier de Martine qui a le numéro 20. Voilà.
une carte pour mon loulou, c'est trop mignon. Pour son anniversaire. C'est trop choupi. Alors, attendez. Hop. J'ai une ABC ici. Alors, pour tes 2 ans. C'est trop gentil, Martine. Merci. Avec des petits animaux. C'est trop choupinou. Tout plein de couleurs et de lumière. C'est trop mignon. C'est très gentil à toi également d'avoir pensé à son anniversaire. Ça me fait trop plaisir. Mon petit chou, il est gâté. Donc là, c'est la carte pour moi. Donc félicitations. Waouh, c'est très joli. C'est super. Donc c'est sur un die cut. T'es venu écrire par-dessus. Félicitations. Tu as fait un fond de patchouli pour le fond. C'est très joli. Ah bah, t'as ancré les bords avec des die cuts de fleurs, de plantes. Monté en 3D, c'est super. C'est vraiment beau. Hop. Je vous montre l'intérieur. Alors attendez, je vais cacher le petit mot. Si j'y arrive. Voilà, on va faire comme ça. L'intérieur est superbement décoré également, avec des jolis petits autocollants. Félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Je vais lire ton message. Alors, tu m'as fait une ABC au lieu d'une Memory Dex. De toute façon, il n'y avait pas, c'était pas obligatoire la Memory Dex. Donc, il n'y a aucun problème. Une ABC, j'aime très bien aussi. C'est super. Donc, tu es débutante. Ok. Pas beaucoup de matériel. Ouais, ça, je comprends. On n'a pas forcément de die Memory Dex. Donc, bon, c'était un peu compliqué. Bien sûr que ça me plaira. Une ABC, c'est super. Pas de souci, hein. C'est gentil, Martine, merci beaucoup. Très gentil ton petit message. On va regarder tout de suite ton ABC. Waouh, elle est superbe. Une belle fée. Elle est trop jolie. Vraiment belle. Donc, t'es venue rajouter du foil par-ci, par-là. C'est trop beau. Alors moi j'avais une question. Est-ce que c'est un papier déjà colorisé ou c'est toi qui es venu coloriser la fée? C'est des couleurs très très pastel, très très aquarelle, c'est super beau. Avec ici le petit ruban tout pailleté, c'est super joli. Tout en violet, bleu comme ça. Elle est trop jolie ton ABC. Alors je regarde derrière. Hop, je vais vous montrer le message. Tous ces instants inoubliables sont à vivre et à revivre. Très joli message. Merci beaucoup pour cette très belle ABC, Martine. Je la trouve sublime, vraiment. C'est très joli avec les petites touches de brillant. C'est vraiment très beau. Merci également, bah, pour ta jolie carte. Dans le thème été très fleuri, j'aime beaucoup. Et aussi pour mon loulou, ça me fait trop plaisir que tu lui envoies aussi une petite carte. C'est trop mignon. Merci beaucoup, Martine. Merci beaucoup, c'est vraiment très joli. Donc, je te rappelle ton numéro, Martine. Tu as le numéro 20 pour le tirage au sort. Je te souhaite bonne chance. J'enchaîne tout de suite avec le dernier courrier que j'ai reçu. C'est celui de Lise, qui a le numéro 21. Alors, j'ouvre tout de suite. Waouh, c'est tout joli ça aussi. Donc, elle m'a fait un petit tapis mail, on peut le dire, ouais. Ah, j'ai un petit cœur ici qui s'est détaché. Pas de souci, je le remettrai, il n'y a aucun problème. C'est super joli, des couleurs pastel. C'est très beau. Donc, c'est maté sur donc, le cardstock est blanc, maté sur du papier miroir argenté. Un très beau papier de fond avec des choux ailés, hein, tout simplement. C'est vraiment joli. Avec des petites. Ouais, c'est du bois. Des embellissements bois en blanc, comme ça. Effet napperon. C'est tout délicat. Avec de belles découpes de fleurs. Des petites fleurs ici. Les couleurs, j'aime beaucoup les couleurs comme ça,
Ouais, ça fait un peu vintage, un peu couleur pastel, quoi, tout simplement. De jolies perles ici pour rappeler l'argenté du bord. Un joli papillon. Il est en tissu, là, quoi. Tu l'as fait en deux fois pour lui donner du volume. C'est super beau. Ouais, c'est un papier un peu effet. Quand on touche dessus, ça fait un peu comme du tissu. C'est super beau. Avec une petite perle argentée également. Pour le rappel des couleurs, c'est sublime. Et le petit sentiment, un endroit extraordinaire. C'est vraiment joli. Bon, le petit cœur est tombé, je le remettrai. Donc c'est fermé avec un joli petit ruban ici. À l'arrière, on a une petite pochette. Waouh! Une petite cachette secrète. Et le tampon fait main par Lise en juin 2021. C'est excellent ça. Le petit tampon comme ça, j'aime beaucoup. Alors, mais vu que j'ai vu la petite pochette, je vais regarder. Il y a le petit mot dedans. Alors, je vous laisse admirer sa création le temps que je lis son petit mot. Ouais, t'es la deuxième personne à me dire que c'est pas facile, qu'on connaît pas trop, mais. En tout cas, vous faites des merveilles, même si vous ne connaissez pas mes goûts, mais en fait, ça me plaît à chaque fois, donc ça, c'est cool. Tu l'as fait spécialement pour moi. Ah, ça, c'est trop chou. Merci, merci, merci beaucoup. Ça me touche beaucoup de savoir que voilà, vous avez fait des choses. Vous êtes concentré pour faire quelque chose pour moi. Vous avez pris du temps pour moi et c'est trop gentil à vous, quoi. Merci, merci à vous. Donc c'est Lise et Eva de la chaîne YouTube T'es pas scrap. Je mettrai le lien de la chaîne en barre de description. Si vous ne les connaissez pas encore, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube. C'est vraiment très très joli. On va l'ouvrir. Waouh, tu m'as gâtée. La jolie Memory Dex, regardez. Je vais l'ouvrir tout de suite. En fait, je me rends compte que j'aime un peu toutes les couleurs. Vous me faites des choses un peu pastel, vintage, shabby. Vous me faites des choses plus dans les bleus, plus de couleurs peps. En fait, j'aime tout. C'est cool ça. Mais je pense qu'en fait, c'est parce que voilà, j'aime comment ce que vous créez en fait. Peu importe les couleurs, c'est ce que vous faites. Et j'aime beaucoup. C'est super joli. Donc ici, on retrouve le même papier de fond que la devanture ici avec, avec les chevaux. Donc c'est maté sur du papier craft. En bas, on a la petite dentelle qu'on retrouve également à la fermeture ici, de belles découpes de feuillage et de petites fleurs, des jolies fleurs épistyles, c'est trop joli, avec un bel oiseau qui doit être en résine, il est super chouette. C'est toi qui l'as moulé cet oiseau? Il est trop beau, j'aime beaucoup beaucoup. Et donc petit sentiment, sourire à la vie, c'est beau hein. J'aime beaucoup. Alors, je regarde. Donc, tu aimes le rose, le blanc, le pastel, le chabis, les fleurs, les animaux, les paillettes, la nature, le vert. Mais écoute, je crois que ce que tu as créé représente pas mal ton univers, apparemment. C'est super beau, ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc, voici sa très belle Memory Dex. Merci beaucoup pour cette Memory Dex. Elle est très jolie. On va continuer à découvrir si tu m'as mis des petites surprises en plus, c'est trop gentil. Alors voyons. Ici nous avons des découpes. Oh, c'est trop mignon. Regardez. C'est trop mignon. C'est toi qui l'as créé le timbre. On dirait un vrai timbre, il est trop beau. Avec un papier de fond de rose par-dessus un petit autocollant de fleurs, deux autocollants de fleurs, du tamponnage. C'est super beau, ça fait de chouettes embellissements. C'est trop beau. Tu
Tu m'as fait des découpes, c'est trop gentil. Ça prend du temps. Vous êtes trop gentilles, les filles. On a un beau petit lapinou. Donc là, pareil. Hop, comme ça. Il est trop mignon. Moi, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est nature, animaux. De belles cages à oiseaux. Waouh, c'est trop joli. Elles sont trop belles. Un joli petit nœud dans du papier avec un peu de foil. Un plus grand oiseau. Il est rigolo celui-là aussi. Hop, en deux fois, deux papiers différents. Un vert, un bleu. Un plus grand nœud dans différents papiers également. Donc on a un papier. Là, c'est irisé. On le voit. Celui-ci est irisé. Papier vert, fleur, très nature. Pardon. Ici également avec des fleurs. Très sympa. Ah, on retrouve l'oiseau de tout à l'heure dans d'autres papiers. Oh, c'est trop mignon avec ces papiers-là. J'aime beaucoup. C'est trop chou. Cette forme-là d'oiseau, ça fait un peu plus enfantin, je trouve. C'est très mignon. Waouh, les belles étiquettes, regardez comme elles sont magnifiques. Superbe. Donc on a une grande étiquette en papier miroir doré. Ah ouais, celles-ci, tu me les as montées et tout, elles sont trop belles. T'as fait un liseré tout autour, enfin un matage, c'est trop joli. Elles sont très très belles tes étiquettes. Je crois que celle-ci c'est ma préférée avec le rose. Je perds mes mots, mince. Le rose qui brille. Irisé, voilà. J'ai retrouvé le mot. Le rose irisé est très très beau. Très très belle étiquette. Merci beaucoup. C'est très gentil. Très très beau. Voilà, donc à l'intérieur il y a donc une petite pochette comme ceci. Très joliment décoré. Et ici, on a un système hop, pour glisser. C'est très beau. On retrouve le papier également à l'intérieur. Le papier de couverture. Il est très joli ce papier. Ah, m'a fait un joli paperclip. Regardez comme il est beau. Avec le sachet, superbe. Hein. Franchement, ça fait très raffiné les couleurs. Bon, super bien ensemble. Tu m'as mis un très beau papier de fond pour décorer. Assorti avec le petit ruban et même l'œillet. La couleur est assortie. Ça, c'est très joli aussi. Et ton paperclip, il est magnifique. Je vais le sortir. C'est tout assorti parce que même le paperclip, en fait, il est rose gold. Donc l'œillet est assorti au paperclip. C'est vraiment très beau. Et donc derrière, on a le petit tampon fait main. C'est génial ces petits tampons-là pour signer ces créations. Je vais essayer de le sortir sans rien abîmer. Waouh, c'est sublime. Ah, c'est fait dans du simili, dans du faux cuir. C'est super. Il est très très beau. Très très joli. J'aime beaucoup beaucoup, c'est trop joli. Et donc pour terminer, wow, de jolis embellissements également. Des fleurs que tu as montées toi-même. Je vais ouvrir ça tout de suite. Donc, toujours le souci du détail avec un petit papier de fond pour présenter les créations. Le petit sachet décoré. C'est vraiment très mignon. Alors, je regarde. Ah d'accord! C'est monté. Alors attendez. Je regarde ce que je fais. C'est monté sur de la mousse. Attendez. D'accord. C'est fait avec des attaches parisiennes. Monté sur mousse. Ok. Et donc tu as collé différents papiers de couleur les uns sur les autres pour former ces jolies fleurs. Et c'est attaché avec une attache parisienne. C'est très joli.
Les papiers sont super bien coordonnés, c'est super beau. Ah, j'aime beaucoup. Très très joli. Mais merci, merci beaucoup Lise, c'est vraiment magnifique. T'as dû y passer du temps. Les découpes, toutes les créations, les embellissements, c'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup les couleurs également comme ça, pastel. Je vous remontre également sa très belle Memory Dex, juste là. Merci, merci beaucoup Lise, ainsi qu'à Ariel et Martine pour toutes ces très belles créations. Je pense que là, c'était la dernière ouverture de courrier, vu la date à laquelle on est. Je tenais à remercier toutes les participantes. À chaque fois, ce fut vraiment un très grand bonheur de recevoir vos courriers, de les ouvrir et découvrir vos univers. Un très grand merci à vous d'avoir pris le temps de créer pour moi pour le concours. C'est vraiment très gentil à vous. Ça me touche beaucoup. Également, les petits messages pour l'anniversaire de mon loulou, je n'y attendais pas du tout. Donc, Lise, je te rappelle, tu as le numéro 21 pour le tirage au sort. Je te souhaite bonne chance. Je vous fais d'énormes bisous à toutes et à tous. Encore un très très grand merci. J'attends ce midi voir si j'ai encore du courrier. Si je n'en ai plus, je pense que je vais tourner la vidéo tirage au sort. Donc la prochaine vidéo qui sortira, normalement, c'est le tirage au sort. Et ensuite, je tournerai des vidéos qui... création, etc. Mais je voudrais déjà boucler les vidéos sur le concours. Voilà. Donc encore à vous un très grand merci. Un grand merci également aux autres personnes qui n'ont pas participé mais qui regardent les vidéos, qui mettent des commentaires. Merci d'être là. Merci de faire vivre la chaîne. Parce que sans tout ça, sans vous, bah, il n'y aurait plus de chaîne tout simplement. Je vous remercie vraiment beaucoup. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.